Hi, I'm Yunga Akwi Jennifer. I'm actually a student from the Advanced School of Mass Communication, and I had the opportunity to go into Real Library and Information Sciences. So at the moment, I'm a job seeker, and I equally had a golden opportunity to, you know, gather more experience with the Sedutola Information Research Center. And it's been a very wonderful experience, though brief, and I'm so happy because I was able to learn and to let everyone know that it's a specialized library and information research center on African tradition and languages. And I'm calling on the whole population to take their time, come right down to the center where the real source of information is found, exploit it, make use of it, and share it out to the whole nation, and let us together fight and preserve our cultural heritage and our African tradition and languages. J'ai été surpris par la qualité des documents qu'offre le Sedutola dans le domaine de la recherche. Particulièrement, je suis étudiant en anthropologie où je suis en train de faire actuellement une thèse sur les rites chez les Bétis. Le livre que vous voyez, « La rite et croyances des anciens Bétis », a été pour moi ici, je peux dire, un point de démarquage pour la bonne formulation de mon sujet de thèse et l'orientation que je vais en donner. Mais le monde et bibliothèque, nous les grammaires, par exemple, mes deux livres et professeur Tonya Bakot, il est venu, il a voulu mettre sur le YAM, qui même bon, linguistique, à l'université Yaoundé en Guayaquil. Donc, il y a un et bon, et des recherches. Mon cours bibliothèque, il y a Mangaka. Pour être les Warreni et puis Nantonga en Gérona. Et en Fara, il y a un peu Mangaka. J'ai lu pas mal, il y a eu pendant un quatre points de Tongouli. Et Mangaïra, beaucoup en Tonga. Et Mamba, il y a eu mal, il y a eu Matapun Tonga, mais en Gérona. Je suis venue consulter cette bibliothèque aujourd'hui parce que j'ai besoin de connaître, j'explore le livre, je regarde, j'aime bien la lecture et là j'ai trouvé un très bon livre, L'homme, c'est la parole. On parle ça parle de comment on s'exprime, comment jouer avec les mots dans la langue, dans les langues africaines et tout. Donc ça me permet de mieux me cultiver, quoi.